الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلنا نرجو لقاء الله، وكلنا آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، إذن فلنشمر باجتهاد للعمل الصالح الذي يكون وفق السنة النبوية مع الإخلاص، مع الإخلاص، لأن الله قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Notre Seigneur, notre Créateur a dit dans le Coran al-Karim, l'aya que j'ai cité qui signifie que celui qui croit au jour dernier, c'est-à-dire il a cru en Dieu et il a cru qu'on va être ressuscité pour être jugé. Alors si vous croyez à cela, alors cherchez les bonnes œuvres pour comme obéissance à votre Seigneur, et ne cherchez rien autre que l'agrément de Dieu Azza wa Jal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Et nous sommes tous croyants qu'on va être ressuscité. Après la mort, il y a une autre vie, corps et âme. Corps et âme, on va être ressuscité par le corps et par l'âme. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Mais tu crois au jour dernier, mais tu crois que tu vas sortir de la tombe. Alors qu'est-ce que tu attends pour se préparer pour le jour du jugement? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur, obéissez à votre Créateur et cherchez à faire les choses profitables pour le jour du jugement. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن الله أغنى الأغنياء عن الشركاء. الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، منزه عن الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو للذي أشرك، والله تعالى لا يقبل هذا العمل. Alors cherchez l'agrément de Dieu parce que Allah Ta'ala n'a pas d'associé. Et si quelqu'un a cherché l'agrément de quelqu'un autre qu'Allah, comme celui qui veut être loué par les gens, comme celui qui veut être avoir une bonne réputation, comme celui qui veut que les gens parlent, les journaux parlent de lui, ou son nom passe sur la télé, il a fait telle chose. فَمَنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ ذَرَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ. Celui qui a fait un grand acte, mais il a fait un minimum d'intention pour attirer le regard de la part des gens, Allah ne l'agrée pas, Allah ne l'accepte pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَمَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ. Allah n'agrée que l'acte qu'on a fait pour lui et pour chercher son agrément et pour avoir la récompense de la part de Dieu Azza wa Jal. لِهَذَا إِخْوَانِي إِذَا تَكَلَّمْنَا الْيَوْمِ عن ما هو التصوف، ما حقيقته، ومن هو الصوفية، لأن الصوفية هم رأس من تدبر هذا الأمر ووعى وفطن وانتبه لهذا الموضوع، لأمر الإخلاص وللبعد عن الرياء وللبعد عن الكبر وللبعد عن الحقد وللبعد عن الحسد وللبعد عن مراءاة الناس، بل شغلهم الشاغل تحسين حالهم عند الله عز وجل. Alors si c'est l'importance, comme j'ai dit, tourne autour de faire les choses selon la sunna et avoir la sincérité, alors aujourd'hui nous allons parler inshallah ta'ala de tasawuf et de soufia, parce que ces imams, ces gens-là, c'est eux qui ont bien observé le cœur, c'est eux qui ont travaillé comment prendre soin
de chaque acte, de chaque parole, de chaque geste, il faut qu'il soit en conformité avec l'islam et il faut que l'intention soit pour Dieu Azza wa Jal. Et then, puisque ces gens-là, ils ont pris beaucoup du travail sur eux-mêmes d'observer la sincérité, la modestie, de s'éloigner de l'ostentation, de la haine, de la zizanie, de l'infatuation, le fait de s'émerveiller, de l'orgueil, et ainsi de suite, alors le fait de parler de ces imams et de leurs paroles de sagesse, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet, ça va tirer profit à chacun de parmi nous, bi'idhnillahi ta'ala. من هو الصوفي إذا أردنا أن قبل أن ندخل في الكلام هيك عبارة جميلة موجزة من هو الصوفي قالوا بعضهم قال الصوفي من صفى أي قلبه كان صافيا في حب الله والعبادة لله والإخلاص لله والتعظيم لله واتبع طريق المصطفى تبع شريعة النبي تبع دين النبي محمد ما حاد عنه قيد شعره الحرام هو الذي علمنا إياه رسول الله أنه حرام الواجب هو ما بين لنا رسول الله أنه واجب المستحب هو الذي بين لنا أنه أمر مستحب المكروه وكذلك إذن واتبع طريق المصطفى وكانت الدنيا منه على القفا أما هذه الدنيا وأموالها وشهواتها وملذاتها كانت على القفا لا يلتفت إليها إنما كل التفاته هو إلى الآخرة إلى رضوان رب العباد alors pour dire une parole globale générale qui renferme beaucoup du bien au sujet de tasawuf qu'est-ce qu'un soufi un soufi c'est une personne qui a le cœur pur dans l'amour de Dieu, dans la glorification de Dieu, dans la sincérité en adorant Dieu Azza wa Jal. Safa qalbuhu lillah subhanahu wa ta'ala. Alors son cœur tourne autour de l'obéissance de Dieu Azza wa Jal, de la glorification, de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sa grande place dans le cœur c'est pour Dieu Azza wa Jal et par la suite son chemin à suivre c'est Sharia al-Nabi Muhammad la voix de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ce qu'il a dit haram est haram ce qu'il a dit est obligatoire ce qu'il a dit est déconseillé ce qu'il a dit est recommandé il est recommandé et lui il suit ça il court derrière à faire les obligations et les sunan il délaisse le haram et ce qui est مختلفي qu'on dit douteux et ce qui est déconseillé il le délaisse même après il observe de ne pas gaspiller le temps la respiration et les paroles il contrôle tout pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal et le bas monde pour lui c'est il tourne le dos à ce bas monde يدير ظهره لهذه الدنيا كانت الدنيا منه يعني أدار ظهره للدنيا il a donné le dos au bas monde et il a vu devant lui l'au-delà et comment chercher l'agrément de celui qui nous a créé. كيف نجد في هذه الحياة رضوان الله وكيف يكون تعظيمنا ومحبتنا لله سبحانه وتعالى سيأتي في هذا الموضوع كلام جميل نعلق عليه في وقته قال بعض الصالحين بني هذا الأمر يعني أمر التصوف بني هذا الأمر على ثلاثة أشياء alors الحسن الغزاز a dit le tasawuf est bâti sur trois choses ألا تأكل إلا عند الفاقة tu ne manges que lorsque vraiment tu as faim إذن الأكل هو ليخدم ليقوم جسمك فبالتالي تطيع ربك Alors, ce n'est pas pour le plaisir de manger. Il a dit, on ne mange que lorsqu'on a vraiment besoin de manger parce que ton corps, il doit être à l'obéissance de Allah Ta'ala, le Créateur. Et il a besoin d'avoir une certaine nourriture pour qu'il se tienne debout. Alors, il a dit, on ne mange que lorsqu'on a vraiment besoin et dans la famine. وَلَا نَنَامُ إِلَّا عِنْدَ الْغَلَبَ Et on ne dort que lorsqu'on n'arrive plus à Être en veille, c'est-à-dire tu travailles pour l'islam et les musulmans et la communauté et la da'wa et la prière et lorsque tu n'arrives plus, alors c'est là où tu dors. لا ننام إلا عند الغلبة والأخيرة ولا نتكلم إلا عند الضرورة Et on ne parle que lorsqu'il y a une nécessité.
فشوف أمرك أنت، هل الأمر بني عندك على هذه الأمور الثلاثة؟ Est-ce que ta vie est bâtie sur trois choses؟ Est-ce que tu manges vraiment lorsque tu as besoin de manger parce que ton corps, il faut qu'il travaille dans l'obéissance de Allah Ta'ala, le Créateur? Est-ce que tu es quelqu'un qui dort que lorsque il n'arrive pas à continuer à être en veille, il a besoin de dormir pour se lever par la suite et prier, que ce soit la prière de Sobuh ou la prière de la nuit? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille dans le zikr, dans la lecture du Coran, de l'ilm, il ne parle à côté que par nécessité? انظر نفسك الى هذه الامور. هلا الامام من اين جاءت كلمه الصوفي؟ الاوفق للغه من الصوف، الاوفق الى اللغه، لانك قلت من الصفاء، المعنى جميل، لكن اشتقاق التصوف والصوفي من الصفاء بعيد من حيث اللغه. alors maintenant le mot صوفي وتصوف، d'où vient la dérive؟ parce que dans la langue arabe le mot revient vers al-masdar. on dit en français le mot, l'origine c'est le verbe, en arabe c'est le masdar. alors là d'où vient le mot؟ si on dit al-safa, la pureté du cœur, dans la langue arabe ça marche pas avec le mot صوفي وتصوف صفاء. ليس هذا الاشتقاق. Mais le sens est noble et le Sophia, il cherche à avoir cela, à avoir un cœur pur. Mais si on dit de tasawuf, ça vient de souf, le fait de porter la laine, oui, mais est-ce que tous les Sophia, c'est nécessaire pour eux de porter la laine? Non. Mais la dérive du mot, il vient de tasawuf, n'am. Halla, lima li'annu la'allahu kan fi dhalika az-zaman lubs at-tasawuf ya lubs as-suf ya'ni ba'id 'an thiyab at-tan'um fatakun khashina fi al-ghalib wa huwa wa hum ha'ula'i ad-dunya minhum ja'aluha 'ala al-qafa fayalbith يلبس ثوبا خشنا وفي كثير من الأحيان في تلك الزمان يكون الصوف من هذا الباب فيكون الأمر مبني على هذا أنه لبس الصوف تصوف بمعنى سلك طريق هؤلاء الرجال الزاهدون في الدنيا العاملون بشريعة النبي محمد الذين يسعون أن تكون قلوبهم كاملة مجتمعة في حب الله سبحانه وتعالى ونياتهم خالصة لله عز وجل. alors de là on dit la personne, si on dit à l'époque apporter la laine, c'est dans le sens de dire il a pris le chemin de ceux qui délaissent le bas monde et qui cherchent avec tout ce qu'ils ont eu de force de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام من التوحيد. وهذا أول أمر اعتنى به الصوفية de التوحيد de la bonne croyance de bien croire en Dieu l'unique qui n'a pas d'associé son début sans fin qu'on n'arrive pas à connaître sa réalité qu'on ne peut pas l'imaginer ni le cerner par notre raison jusqu'aux les plus petits parmi les branches de la foi et avoir un cœur plein d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, plein de glorification pour Dieu Azza wa Jal, et vous allez voir après leur comportement, et à chaque fois on essaye nous-mêmes de nous juger. Est-ce que si telle chose a eu avec moi, a été pratiquée avec moi, est-ce que j'allais agir comme lui? هل أنا لو تعرضت لمثل ما تعرض له ذلك الرجل الصوفي هل كنت أتصرف مثله أم لا؟ إذن لنذكر شيئا مما قال هؤلاء السادة. نبدأ. يقول سئل أبو محمد الجريري عن التصوف فقال الدخول في كل خلق سني والخروج عن كل خلق دني. الله أكبر، كلمة عظيمة جامعة. C'est quoi on a dit أبو محمد الجريري؟ C'est quoi التصوف؟ Il a dit le fait de rentrer dans tout comportement, dans tout acte de parmi la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a que le prophète a transmis à ses compagnons et le fait de sortir de tout mauvais comportement, c'est-à-dire de tout acte abominable, de tout comportement abominable. هذا كلام عظيم، كلام جامع حقيقة. التصوف الدخول في كل خلق سني. بعدين بتقولي ما هو الخلق السني؟ بنرجع بنقول التوحيد، إقام الصلاة، أداء الزكاة،
بعد ما تقول أنت وإداء إقام الصلاة والمحافظة على الجماعات وإداء الزكاة، بعدين بتقول وإعطاء المال في سبيل الله، بعدين بتجيك الزهد، وبعدين بيجيك الرفق بالجيران بالأهل بالكبار، توقير الصغير، الدخول بكل خلق سني، بعدين طرح ونبذ والابتعاد عن كل خلق دني، يعني كل ما حرمه الله وكل ما حرمه رسول الله وكل ما قال هذا مكروه نحن لا نحبه، الصوفي يتركه. إذن هذا هو التصوف. التصوف، يا ريت حج جميل بالمكتب وراي أنا في هيك علبة صفرة، علبة صفرة في قلب كتب، جيب لي العلبة لأنه بدنا نذكر. كان بنيتي قبل ما بلش حتى بالدرس أريكم ماذا يقول الوهابية عن الصوفية قبل ما أبدأ بالكلام، لأنه شيء كبير لما بنحكي عن التصوف وبنحكي عن أئمة العظام في هذه الأمة، لما نحكي عن الكبار في هذه الأمة. إيه جيد أن ننظر الوهابية ماذا كانوا يقولون، كيف 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 يرون ينظرون إلى هؤلاء الأئمة العظام. لكن فاتني في أول الدرس، لن يفوتني في آخره بإذن الله. Alors, j'ai dit, j'avais l'intention de commencer par ce qu'ils ont dit, l'Wahhabiyya, au sujet de Tassawuf et les gens de Sufiya. Ils ont dit quelque chose de très grave. Je ne pense pas que ceux qui n'ont pas entendu auparavant, vous n'allez pas imaginer. Tellement grave, vous allez entendre. Et voilà, mais je viens de commencer la leçon parce qu'on va parler des grands imams de cette communauté, mais je ne vais pas la rater à la fin de la leçon de dire qu'est-ce qu'ils ont dit des imams comme Abu al-Qasim al-Qushayri. Au niveau de ces imams, il a fait un livre intitulé Ar-Risala al-Qushayriya. Pour celui qui ne l'a pas encore dans sa maison, qu'il cherche à l'avoir. Toujours, il y en a, parce que moi je sais à quel point ce livre est important. Et de là, je vous dis, quelle perte pour celui qui n'a pas encore appris l'arabe pour comprendre ces jolies paroles. Ana, amoul, alladhi ma indahu hadha al-kitab ba'd, يعني شيء ثمين, الماس نفيس لا يوجد في مكتبته مثل هذا الكتاب الذي أصلا هو مأخوذ من كتاب الله وكلام رسول الله والصحابة والصالحين من هذه الأمة. وأن الذي لم يسعى بكل جهد ليتقوى في اللغة العربية فيفهم تلك المعاني، أيضا هذا يفوته خير كثير. طيب، عن الجنيد، خلص مش الحال، خليهم هون. عن الجنيد وهو شيخ الطائفة، لما بقولوا الشيخ الجنيد شيخ الطائفة، شيخ السادة الصوفية، إمام السادة الصوفية، الإمام الجنيد رضي الله عنه، جمع بين العلم والعمل والزهد والتقوى والورع. C'est un grand imam qui a réuni entre la science, le fiqh, التوحيد et la science de ces imams dans le tasawuf. On a dit Al-Junayd, c'est quoi le tasawuf pour toi? Il a répondu, قال أن يميتك الحق عنك ويحييك به. ما هو التصوف أيها الإمام الجنيد؟ قال أن يميتك الحق عنك، تموت عن نفسك، ما بتعود أنت تنظر لنفسك بعين التعظيم والإجلال، من ذمك، من طعن بك، من أهملك، من لم يوقرك، من لم يمدحك، يميتك عنك ويحييك به عز وجل، ويجعل قلبك كله لله عز وجل. فلا تغضب إلا لله، ولا تتحرك إلا لله، لا يحرك شهوة نفس ولا انتصار ولا عزة نفس. كثير من الناس يحركهم نفوسهم، ما احترمني، ما وقرني، ما قال لي، ما رفعني، ما قال، ما أخذ إذن، ما عمل، شو بدك بهالأمور كلها؟ أن يميتك عنك ويحييك به، كلام كمان عظيم. لكن هذا تناول شيئا آخر غير الذي قاله أبو محمد الجريري، ومن هنا تعرف أن كلام هؤلاء السادة كم هو نافع لنا في زماننا. نحن الآن نعيش في عرين، مش الأسود، نحن نعيش في عرين الشياطين، نحن نعيش في شبكة الذين يريدون منك أن تهوي إلى الضلال والكفر والمعاصي. ف
فنحتاج إلى مثل هذه المعاني. Alors, j'ai dit, nous, on vit actuellement, pas dans ce qu'on dit, Harine et le Soud, mais plutôt, on vit dans un grand danger. La dunya autour de nous, plein de séductions, plein de fitan. Et on a besoin de certaines paroles que la personne observe. Est-ce que je fais attention à moi-même? Lorsqu'on a dit Al-Junaïd, c'est quoi le tasawuf? Il a dit que Allah Ta'ala al-Haq, il te fait mourir de toi, mais il te fait vivre pour lui. Il te fait mourir pour ta propre personne, tu ne la vois pas, tu ne la considères pas. Et après, il y a quelqu'un qui a manqué de respect, il y a quelqu'un qui ne t'a pas donné permission, il y a quelqu'un qui a pris ta place, tu ne vois rien de tout ça. Mais plutôt, tu vis pour Dieu Azza wa Jal, wa yuhyika bihi, alors il remplit ton cœur que pour lui Azza wa Jal. Alors si tu t'énerves, pour l'agrément de Dieu. Si tu es content, c'est pour l'agrément de Dieu. Mais j'ai wahad azak, la taltafit. Sabbak, la taltafit. Lakin, mathalan, ra'aita insan yansur al-din, farihta. رأيت رجلا يعاد الدين تغضب لله وتسعى إلى إيقافه هذا معنى أن يحييك به c'est-à-dire tu agis, tu fais, tu parles, tu fais les choses pour l'agrément de ton Seigneur et tu vis pour lui عز وجل pour son agrément. فنص صباح تخرج من البيت, tu sors de la maison, وفي قلبك كله مشغول كيف أفعل في هذا اليوم ما يرضي ربي الذي خلقني كل ما يرضي الله كل ما يحبه الله أسعى هذا اليوم أن أفعله tout ce que Allah agree, tout ce que Allah a ordonné, je fais de mon mieux de le faire aujourd'hui. كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويبعدني عنه فأنا تارك له. Alors tu mets ça dans ta tête dès que tu te lèves et tu penses qu'est-ce que tu peux faire pour avoir l'agrément de Dieu qui t'a créé. يقول أبو حمزة البغدادي علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة. Alors on parle d'un imam qui s'appelait Abu Hamza al-Baghdadi. Il a dit, comme on parle d'un bon soufi, il a dit le soufi véridique, parmi ses signes, que tu le trouves pauvre après la richesse. Il était dans la satisfaction et dans la richesse, et après il a tout abandonné, il a tout laissé. Deux, après qu'il était quelqu'un, un roi, un chef, un grand homme, il est devenu très modeste, il est devenu très humble. Et après qu'il était très connu, maintenant, on ne le connaît pas, il disparaît, on ne le voit pas, on n'entend pas parler de lui. وهذا يرجع للحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الأتقياء الأخفياء إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يدعوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. الله تعالى agree les pieux qui sont cachés. S'ils sont là, on ne les a pas invités parce qu'on n'a pas donné d'importance pour les inviter. S'ils sont là, on n'a pas invité ces gens-là. Et s'ils sont absents, on ne demande pas d'après eux. Pourquoi telle personne n'est pas là? On ne demande pas d'après eux parce qu'ils ne sont pas connus pour nous. وفي هؤلاء رب أشعث أخبر ذي طمرين يعني ثوبين باليين وأشعث من حيث الشعر منه مصرح جيد وأخبر معناه ما بيتحمم كل يوم لأنه ما عنده الإمكانيات ليس له ذلك البيت وتلك الوسائل مدفوع بالأبواب إذا بده يدخل على وليمة أو عرس أنت أكيد مش مدعو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لو سأل الله لأبره لو سأل الله تعالى الجنة لأعطاه لو سأل الله تعالى يرفع البلاء عن هؤلاء لأعطاه ولكن بالنسبة للناس مدفوع بالأبواب أشعث أخبر غير معروف غير مشهور فإذا هذا من علامة الصوفي الصادق ça c'est un signe parmi les soufis qui sont sincères que dans le hadith combien parmi les gens que tu vois mal coiffé pour sérieux c'est-à-dire il n'a pas assez de moyens pour se doucher tous les jours parce que la propreté est une chose demandée dans l'islam la saleté n'est pas une chose appréciée Ce qui est agréé, c'est la propreté. Mais lui, ces gens-là, ils sont tellement pauvres et ils n'ont pas les moyens, des fois, pour se doucher tous les jours. Et il est mal coiffé parce qu'encore, il n'a pas les moyens pour se doucher et coiffer ses cheveux.
Zit Mrain, on parle de deux habits, les habits qu'il porte sur lui, c'est des habits usés, anciens, pas chers, et à tel point que s'il veut rentrer pour un repas de mariage, pour une fête de circoncision ou autre, on le repousse, parce qu'on dit non, toi tu n'es pas invité. C'est sûr tu n'es pas invité, on n'a pas invité une personne comme toi, parce qu'on ne lui donne pas de considération pour les gens de la terre, il ne lui donne pas d'importance. لو أقسم على الله لأبره s'il demande à Dieu, s'il fait des invocations à Allah, Allah Ta'ala exauce à son invocation. S'il demande le paradis, Allah Ta'ala lui accorde le paradis. S'il demande à Dieu d'enlever une telle épreuve de la communauté musulmane, Allah lui accorde cela. وفي هذا تعرف مرة أنا لا, je ne vais pas citer, mais lorsqu'il y avait une sécheresse à Al-Basra, et un esclave qui est venu dans la mosquée, il a demandé à Allah Ta'ala d'avoir la pluie, et ils ont eu la pluie. Et avant lui, il y avait les grands savants, même Hassan al-Basri et d'autres, ils sont venus, ils ont fait de la prière, ils ont demandé la pluie, ils n'ont pas eu. Et cet esclave, lorsqu'il a fait, ils ont eu. So, il y a Abu Yazid. Abu Yazid al-Bastami, amal khalwa ad-desh, 30 sana. أبو يزيد البسطامي سي أن غران إمام. هلأ بس لنبه, لعله في بعض الكتب يحكى عن أبي يزيد البسطامي كلام غير صالح, يعني ينسبون إليه قول بالوحدة المطلقة والحلول, القول بالوحدة المطلقة والحلول كفر, وأبو يزيد بريء منه, بس لأن هؤلاء الحلوليين وأهل الوحدة المطلقة قوم كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله, فبالتالي بيكذبوا على أبي يزيد البسطامي وأمثاله. J'ai dit Abu Yazid al-Bastami c'est un grand imam, il a fait le khalwa pendant 30 ans, يعني il a observé son corps, son cœur, ses actes, tout ça. Après 30 ans il a dit je suis sorti, j'ai vu les gens on dirait morts, et alors il a dit je fais 4 fois le takbirat, comme lorsque tu vois un mort tu fais salat al-janazah, tu fais quoi, 4 fois Allahu Akbar. Il a vu les gens comme ils sont dans l'état de celui qui est mort, et il a fait 4 takbirat. J'attire l'attention que dans, peut-être dans certains livres, parce que quelqu'un me l'a dit, Abu Yazid al-Bastami, j'ai dit attention, non, 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 Abu Yazid al-Bastami c'est un grand imam de cette communauté, et c'est pas valable de dire que lui il croyait qu'Allah s'incarne dans les corps des saints, et c'est pas valable de dire que lui il dit Allah est le monde, parce qu'il y a des gens qui s'attribuent au tasawwuf, mais ils sont les frères de Lénine, de Marx. Ils ont des barbes comme ça, hein? Ils ont des chapelets comme ça. Ils ont des turbans, je ne sais pas quoi. Ils ont le bâton ici, le kohulla, le muscle, le ambar. Ils sont les frères de Satan, Lénine, Marx. Ils croient que Dieu est le monde. C'est des grands mécréants, ce n'est pas de petits mécréants. Et donc, finest de tasawuf. في أناس يدعون التصوف وهم يقولون بالوحدة المطلقة, يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. موجودين بلغاريا, بتركيا, بجهات معينة, بسوريا, بالسنغال, بأفريقيا, يعني مصايب عظيمة. يقولون ما في, لا يوجد إلا الله وكل ما ترونه هو الله. هؤلاء أكثر الكفرة, أكثر الكفار, إخوان الشيطان إبليس. وإبليس أعلم منهم على فكرة, إبليس معاند مكابر, يعرف أن هذا كفر, وإخوان لينين وماركس. فألوغ حذاري من هؤلاء, وأبو يزيد البسطامي ني با parmi ces gens. أبو يزيد البسطامي on lui a dit ما علامة العارف, فقال لا يفطر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره. Eh, كمان هذا كلام جميل وعظيم. On a posé la question à Abu Yazid al-Bastami. Qu'est-ce que tu, comment tu peux définir un grand saint, al-arif billah? Lorsqu'on dit al-arif billah, c'est quelqu'un d'un grand saint. On dit il connaît Dieu. لما نستعمل عبارة al-arif billah, يعني متبحر بعد علم التوحيد وعلم العقيدة والعمل. غارق في رضوانه مع التأمل في كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام العامل به. فهو قال إلى دي لا يفطر من ذكره, العارف بالله
et ne jamais cesse de louer Dieu, parce que même des fois la langue cesse, mais le cœur ne cesse pas. Des fois la langue, il est avec toi, il est en train de parler, mais son cœur ne cesse pas de le glorifier, de le louer, de l'invoquer. Azza wa Jal. Deux, wala yamallu min haqqi. À chaque fois qu'il y a des obligations, il y a des choses à faire, alors il ne s'ennuie pas, il ne délaisse jamais une obligation vis-à-vis de Dieu. Et wala yamallu min haqqi, yani bima'na la yatruku wajiban wa la yadkhulu fi haram la yatruku shay'an amara Allah bihi. Alors il ne cesse jamais, il ne s'ennuie jamais de mettre en pratique ce que Allah Ta'ala a ordonné. Et wala yasta'nisu bighayrihi wala yasta'nisu bighayrihi. Alors il est tellement pris par l'obéissance, l'adoration, le dhikr, il trouve le plaisir dans cela, alors il s'ennuie avec les gens. Mikan hek مثلا داود الطائي. داود الطائي كان يأتيه الكبار جنيد وغيره من الأكابر، وهو كان بزمن أبي حنيفة. داود الطائي كان كبار العلماء، جالس مع أبو يوسف وأبي حنيفة، كان أحيانا يأتيه أن يشتهي أن يتكلم بالكلام في مسائل الفقه، ولكن يحبس ما دام غيري يتكلم لما انا اتكلم. Alors Daoud al-Ta'i, c'était parmi ces gens qui ne trouvaient pas de plaisir avec les gens. Son plaisir, c'était dans l'obéissance. Au début, il ouvrait sa maison et sa porte pour les imams de piété, pour les saints, pour comme le Junaïd et d'autres qui voulaient le voir. Ou ta'raf anta kif warad anna ba'd as-salihin qal ishab من يحركك إلى الطاعة رؤيته. ما بتحتاج يتكلم. Prends compagnie de la personne. Si tu le vois, il te fait bouger à l'obéissance. Si tu le vois, tu dis je me réponds à Dieu. Je vais faire cette nuit, toute la nuit en train de prier. Je vais faire telle chose, je vais faire l'aumône. من عرف الشيخ عبد الله ونظر إليه نظر الإنسان المؤمن المتواضع كان يحركنا على الطاعات رؤيته. بل كثير من الناس بقول لك بس أنا كان بس لا يرى يشوف الشيخ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم كان يكتفي بس خليني فقط أرى فقط قدمه، لو ما تمكنت من أرى وجهه. J'ai dit les savants ont dit prends compagnie de la personne qui te fait bouger dans l'obéissance le fait de le voir. كان من هؤلاء في الماضي معروف رجل اسمه محمد بن واسع. محمد بن واسع c'était parmi ses adorateurs saints, ses grands pieux. Il disait à un homme, lorsque je me sens une certaine faiblesse, une certaine paresse, je jette un coup d'œil sur le visage de محمد بن واسع et je travaille une semaine avec motivation pour l'akhirah, pour l'obéissance à Dieu. Et moi je dis que celui qui a connu le Cheikh Abdullah, il a encore constaté cela, que lorsqu'on le voyait, le fait de le voir, ça nous pousse à travailler et à bouger. Et celui qui était dans un péché, ça le pousse à se repentir. وَهَذَا يَعْنِي أَنُّ الله تعالى قيض لنا مثل هذا العالم، بعضنا رآه وبعضنا سمع به، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أول فضل أن الله هدانا للإسلام، ثاني فضل أن الله جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حصل فضائل ربنا علينا عظيمة، ومن هذه الفضائل من لقي هذا الرجل الصالح الذي مات وما ترك لا قصورا ولا بساتين. اما روحوا مثل ما قلتوا هيدي، روحوا شوفوا القرضاوي قديش ترك، روحوا شوفوا حزب الاخوان ولاد بنته لحسن البنا قديش ملايين هون وملايين هون وملايين هون. انظروا الى هؤلاء الذين يدعون العمل الاسلامي كم عند موتهم ظهر من الاموال عندهم. Alors لا يستأنس بغيره العارف. Daoud al-Ta'i, à un certain moment, il a arrêté d'ouvrir la porte à des grands saints. Pourquoi? Mais Junaïd ou Fudayl ibn Iyad, c'est des grands imams. Mais Daoud al-Ta'i, il est tellement pris par l'adoration de Dieu Azza wa Jal. S'il rentre, il faut leur adresser quelques paroles, tout ça. Il est pris par quelque chose au-dessus. Alors il n'ouvrait pas la porte, il le saluait depuis l'extérieur
il répondait et il continuait à travailler, mais sans jamais quitter la mosquée dans les cinq prières. ما كان يترك الجماعات ما كان يترك الجماعات بصلي وبيرجع. واحد لحق هو بالله عليك جيت كذا أريد منك وصية. Alors il lui a dit, s'il, يعني, je me supplie à toi, s'il te plaît, je te demande par Dieu, donne-moi un conseil. وقف وعم بيطلب ما هيك الدين النصيحة صم الدنيا واجعل فطرك الموت. شوفوا هالعبارة قديش عظيمة. صم الدنيا واجعل فطرك الموت. Il lui dit, jeûne la vie, jeûne de tout ce qui est haram, jeûne de tout plaisir que tu n'as pas besoin, qui ne te rapporte pas une chose dans ta religion, et que la rupture de jeûne soit à la mort. Ça, c'est une parole parmi les paroles de Daoud Ta'i. Soum al-dunya waj'al fitrak al-maut. Izan, nirja' annu ish, kul ma la tahtaj ilayhi fi dinika a'rid anhu. Tout ce que tu n'as pas besoin de ta religion, dans ta religion, délaisse-le, occupe-toi de ce qui est utile dans ta religion. Kaman min fadlillah alayna. Chouf al-a'imma al-sufiyya al-kibar. Parce que Cheikh Abdullah, moi je vous ai dit à plusieurs reprises, je le répète, tahadduthan bi ni'matillah. Moi je vous parle de tasawuf en ayant dans ma main soit le livre de Al-Qushayri, soit le livre de l'imam Al-Ghazali, soit le livre de Ibn Jawzi. Mais le Cheikh Abdullah, il nous a enseigné tasawuf sans parler, mais par l'acte et par le comportement. Nahna ana bahadduthkum an at-tasawuf bikum bayna yadayya. كتاب أبو القاسم القشيري أو كتاب الإمام الغزالي أو كتاب ابن الجوزي أو كتاب أبو نعيم الأصفهاني. أما شيخنا تعلمنا منه التصوف والآداب النبوية بالسلوك بالأخلاق بالعمل بالفعل لا بالقول، ما في بالقول إنما بالفعل. وكان يقضي أغلب أوقاته بتعليم الدين سيما العقيدة لأن هذه الأولوية. وكان ليل نهار يحذر من الوهابية ومن جهلة المتصوفة، لأن هؤلاء حقا هم أشد الناس خطرا على أبناء المسلمين. Alors le Cheikh Abdullah dans le tasawuf on l'a appris de ses comportements, de ses actes, et il travaillait plus du temps dans l'enseignement, dans l'aqida, dans la science obligatoire, et il mettait en garde contre les sectes dangereuses. Et parmi les plus dangereux de tous ces sectes actuellement, c'est les wahhabites, parce qu'ils se cachent derrière le nom de Ahl Sunnah wal Jama'a et ils ne le sont pas et ils ne font pas partie. Laysu min Ahl Sunnah wal Jama'a yuhawiluna sariqat ism Ahl Sunnah wal Jama'a laysu min Ahl Sunnah hum mujassima mushabbiha nufatu tawassul yukaffiruna al muslimin الذين يتبركون بالأولياء والصالحين فعندهم الشافعي كافر والإمام أحمد كافر وأبو حنيفة كافر والإمام كافر وأبو أيوب الأنصاري كافر وخبيب كافر وبلال بن الحارث المزني كافر وعبد الله بن عمر كافر كبير عند ابن تيمية هذا الذي قال فيه رسول الله إنه من الصالحين بس حتى تعرفوا إلى أي حد هؤلاء خطرهم فاشتغل الشيخ عبد الله بما هو أولى للمؤمن لأن الصوفي حيجي معنا الصوفي يعطي الأعلى من الأعمال في تلك اللحظة وأعلى الأعمال بعد تحقيق التوحيد والعقيدة إيش وإقام الصلاة وكذا أعلى الأعمال أن تبين الحق وتدعو إليه وأن تحارب الكفر بأنواعه وتحذر منه فتشغل وقتك بأعلى الأعمال هذا الذي كان يشغله هذا الشيخ وبالتالي السلوك الصوفي كنا نأخذه من فعله وخلقه. Alors le Cheikh Abdullah était un imam qui prenait le plus important dans la religion à chaque instant. À chaque instant, qu'est-ce qui est le mieux? Et c'est ça un vrai soufi, il essaie d'occuper le temps par le meilleur des actes. Alors en ayant tawhid, en ayant quelqu'un qui a fait la prière, qui a, par exemple, s'éloigné des grands péchés, alors il donne la priorité à ce qui est le plus grand parmi les actes de bien. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, vous comprenez ma parole. Deux frères, dont la mère est malade. Quelqu'un a prié toute la nuit, et l'autre était à côté de sa mère.
en train de la surveiller. Est-ce qu'elle a besoin à boire? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Elle a besoin de l'aider pour se lever. Il était toute la nuit debout à côté d'elle. Il a dit, celui-là, que mon frère a passé toute la nuit pendant la prière et moi j'ai passé toute la nuit à côté de ma mère. Si quelqu'un il me donne le choix, est-ce que tu acceptes d'échanger l'acte de frère par ton acte? Il a dit non, pas du tout. وأنتم حتعرفوا ليش لأن بر الوالدين في مثل هذا واجب وإقامة الليل كله من أعمال النوافل فهذا خير من ذاك هذا خير من ذاك. فعلى هذا si tu as bien compris l'exemple et le fait d'être à côté de ta mère lorsqu'elle est malade et elle a besoin de toi, alors prendre soin de ta mère c'est une obligation, veiller toute la nuit dans la prière c'est un acte surérogatoire et il y a plus de récompenses ici. Si on a, il a dit, si quelqu'un il me dit est-ce que tu acceptes qu'on change, ce qu'il a fait ton frère sera à toi et ce que tu as fait toi sera à ton frère, il a dit non parce que ce que j'ai fait est plus grand. Et lorsqu'on enseigne At-Tawhid et on met en garde contre les sectes et la mécréance et ce que certains divulguent au nom de l'islam, et ils sont très dangereux, ils sont les plus dangereux pour la communauté musulmane, alors là, on comprend pourquoi le Cheikh Abdullah a passé beaucoup du temps sur cela. At-Tasawwuf أو الصوفي قال كالأرض يطرح عليها كل قبيح. ما هيك؟ ما بترموا كل زبالتكم بالأرض وتزدوا كل شيء فيها، سبحان الله العظيم، تدفنها بتغطيها بالتراب بعدين بتصير سماد كثير من الأحيان حتى الجثث وكذا. الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. هذا الصوفي. alors il a dit quelqu'un, le soufi, il est comme la terre. La terre, on jette tout, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pourri, tout ce qui est comme saleté. Et j'ai dit, dans beaucoup de cas, on jette et tu couvres par la terre. Après, ça devient, ça donne de la fertilité pour la terre, n'est-ce pas? Tous les composts, même des fois les os, les cadavres, tout ça. Une fois qu'ils sont sous la terre, ils seront rongés et ça donne une fertilité pour la terre. Alors il a dit, un soufi, c'est comme la terre. On jette sur cette terre tout ce qui est mauvais et il ne donne que ce qui est bien. Et il ne fait sortir après que des bonnes choses. Ma'nahu anna soufi, tu si ilay, la yuzhir hadhihi lil nas, la yarudduha alayk, yahmiluha, yaqul, من أخلاق التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على أذى الناس. بعدين يقول ومن حسن الخلق أيضا أن تحسن حتى إلى من أساء إليك. فبالتالي يستوعب كل ما قد يفعل معه من أمور مشينة لا يظهرها ولا يتكلم بها، وبالتالي إيش يقابل؟ بالإحسان، بالرفق، بالخلق الحسن، بالكرم، بالجود. أنا بدي معليش يعني ما فو با كو كيلكان مو دي باسكو موا سي جو بارل دو شيخ عبد الله باسكو سي 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 لو مومون دو بارلي دان غران امام. واحد تكلم امامي مع الشيخ عبد الله كلام قاسي قاسي وفيه قله ادب قد ما بدك، بس نحن ما فينا نعمل شيء، الشيخ موجود. devant moi quelqu'un il a parlé au cheikh d'une manière incorrecte, manque de respect, manque de respect. Et si on laisse le cheikh, si le cheikh n'est pas là, on allait agir, on allait mettre cette personne à sa place. Mais le cheikh, il patientait, il n'a rien dit. Puis après, le cheikh est sorti. Le cheikh est sorti de la maison. Comment on était en colère contre cet homme-là. Et le cheikh est sorti, quelqu'un l'a suivi. Après une demi-heure ou un peu du temps, est venu le cheikh Abdullah, en ayant avec lui 3-4 poulets. Ali Baba ou l'Arbain Haram, l'Arbain Farrouj, il y a un magasin qui fait des poulets à Beyrouth. Il a amené 3 coqs comme ça, bien grillés, et il a mis dedans. Il a dit, Ya Hajj, viens, on va manger ensemble. Et il s'est assis à manger avec celui-là qui a fait. Alors moi, j'ai dit, mais c'est quoi cet homme-là? Ils ont dit, cet homme-là
20 ans ou 30 ans en arrière, lorsque le cheikh Abdullah est venu à Beyrouth, cet homme, il descendait au marché, dans les rues, il dit, il y a un grand savant là, tu dois aller monter apprendre chez lui. Il a amené beaucoup de gens pour apprendre. Alors le cheikh n'a pas oublié, malgré que son mauvais comportement actuellement, jusqu'à la mort de cheikh Abdullah, et le cheikh n'a pas oublié ce qu'il a fait du bien auparavant, et malgré qu'il a fait beaucoup du mal par la suite. Et bien, الصوفي كالأرض يلقى عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. Comme la terre, on jette tout ce qui est mauvais dans cette terre, mais il ne donne que des bonnes choses. طيب. وقال أيضا بعضهم ذكر مع اجتماع التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع. هذا راجع الى ما قلناه. Ça revient à quelque chose qu'on a dit auparavant. Alors il a dit ذكر مع اجتماع القلب. اجتماع, c'est-à-dire louange, des invocations évoquées, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wa astaghfirullah al-azim, ذكر مع اجتماع القلب, tout en ayant le cœur est présent, la glorification, l'amour pour Dieu, le cœur est présent, tu n'es pas ailleurs, mais tu es avec la glorification de ton Seigneur, de ton Créateur. Lorsque tu entends, que ce soit les jolies paroles ou la lecture du Coran, ah, ça te fait bouger le cœur, ça te bouge, il y a quelque chose en toi qui bouille. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يبكي إذا سجد يبكي حتى تبتل الحصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. وهكذا العباد الصالحين. C'est comme ça les adorateurs, les vrais saints, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils entendent le Coran, la lecture du Coran, comme Allah سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم, يعني ils auront, tu vois la crainte, tu vois il y a plein d'émotions sur eux, la crainte, la glorification, l'amour, et ils n'arrivent pas à tenir les larmes. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam étaient comme ça. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasalam était parmi ceux qui pleurent par crainte de Dieu jusqu'à que la natte sera mouillée. Et wa amalun ma'attiba, alors lorsqu'ils agissent, ittiba suit la sunna du prophète Muhammad. Mafi. ما ممكن الواحد يصل في التصوف من غير اتباع شريعة النبي محمد. ما ممكن واحد يصير وليا لله وبعد ما تعلم الفرض العيني من علم الدين وعم يعمل على وفق السنة. Il peut pas être un saint, il peut pas être un pieux, il peut pas être un connaisseur, عارف. لا يصل. Il n'obtient pas une place sans avoir les actes selon la sunna. C'est-à-dire tu dois avoir la base dans la science. Tu dois mettre cela en pratique. C'est pour cela, dans le chapitre de l'Mukhtasar, il y a au début l'Aqida, après il y a Tahara wa Salat, après il y a Zakat, le Siyam wa Hajj, après il y a le Mu'amalat pour celui qui achète, qui vend. Il y a quelque chose qui s'agit de société, location, délégation, mariage. Après il y a les péchés. Parce que si tu veux avoir une place, alors il faut agir selon Sharia, selon la voie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa, sinon tu n'arriveras pas, tu n'atteins pas une étape, tu n'auras pas une place honorée. Lan tasil. Idhan, dhikrun ma' ijtima', yani ma' istihdar bil qalb, wa wajdun ma' al istima', et lorsque tu entends, que soit le dhikr et la lecture du Coran ou le qasa'id al jamila, alors ça fait bouger chez toi quelque chose, et par la suite et tu agis selon شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أبو الحسين الوراق يقول كان أجل أحكامنا في مبادئ أمرنا في مسجد أبو العثمان الحيري الإثار بما يفتح علينا ولا نبيت على معلوم. Alors il a dit أبو الحسين الوراق que nos meilleurs actes au début, qu'on a commencé à prendre le chemin du tasawuf lorsqu'on était dans la mosquée d'Abu Uthman al-Hiri, alors il a dit,
on donne ce qu'on a obtenu. Al-ithar bien fauté alayna, c'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai gagné, alors là j'essaie de donner à mes amis, à mes frères, aux pauvres, aux misérables. Al-ithar bien fauté Allahu alayna. Et comme le prophète nous a enseigné, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khassasa. Al-ithar bien fauté Allahu alayna. Ça il a dit au début. Au début, ce qu'on reçoit, alors on donne. Par la suite, il a dit وَلَا نَبِيْتُ عَلَى مَعْلُومٍ, c'est-à-dire on cache rien pour demain, on laisse rien pour demain. Celui qui nous a donné aujourd'hui la pourvoyance, il nous donne demain, on cache rien. لَا نَبِيْتُ عَلَى مَعْلُومٍ, on garde rien, on cache rien, on garde rien. التوكل على الله سبحانه وتعالى, on se fie à Dieu Azza wa Jal. وَمَنْ اسْتَقْبَلَنَا فِي بِمَكْرُوهٍ لا ننتقم لأنفسنا بل نعتذر إليه ونتواضع. Et celui qui a agi contre nous par un mauvais comportement, par qu'il nous a fait du mal, alors on ne prend pas vengeance, on ne réplique pas de la même manière, mais plutôt on pardonne et on fait des paroles. C'est comme des fois tu demandes d'excuses. Ça ne veut pas dire que c'est toi le fautif et je me prends comme c'est moi. Non, mais plutôt on n'a pas fait attention, peut-être, voilà. Ils essayent de ne pas mettre les choses sur l'autre. وَإِذَا وَقَعَ تَبُولَ الْأَخِيرَ وَإِذَا وَقَعَ فِي قُلُوبِنَا حَقَارَةٌ لِأَحَدٍ قُمْنَا بِخِدْمَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ حَتَّى تَزُولَ. Et si jamais on a trouvé un certain sentiment dans notre cœur contre une personne, mais pourquoi j'ai un sentiment contre l'autre? Alors il a dit, on cherche à le servir, on cherche à être à son service comme des esclaves pour lui jusqu'à que ça quitte le cœur. Et ma matloub wahad al muslim an yahtaqir akhahu al muslim la'allahu khayrun minka. Il faut pas dénigrer ton frère musulman, peut-être il est mieux que toi. Alors à ce moment-là, si jamais tu ressens quelque chose contre ton frère, tu adresses le salam en premier, tu souris à son visage, tu lui adresses un cadeau, tu essayes de le servir jusqu'à que ça disparaisse ce qui est dans ton cœur. لَعَلَّهُ يَكُونَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْكَ فَعَلَى إِشْ أَنْتَ أَحْيَانًا تَتَرَفَّعَ عَلَيْهِ أَوْ تَحْتَقِرُهُ أَوْ لَا تُعْطِيهِ قِيمَةً. ليش؟ المسلم عند الله أفضل من الكعبة. Le musulman est mieux que la Kaaba selon le jugement de Dieu. Alors, pour confirmer une chose, parce que voilà, pour confirmer quelque chose que j'ai dit, قال الأستاذ أبو القاسم أو بعض الصوفية قال من استقبله حالان أو خلقان كلاهما حسن كان مع الأحسن. هذا اللي قلنا في طريق الشيخ عبد الله في الدعوة إلى الله 50 سنة أو 60 سنة على هذه الحال. Un vrai soufi, s'il est en face de deux choses ou deux comportements, et les deux sont bien. Tu es en face de deux choses, ou deux comportements, les deux sont dans le bien, alors tu choisis le meilleur. Tu choisis le meilleur. Voilà. هكذا الصوفي يتصرف. Et j'ai dit que Cheikh Abdullah, c'était sa voix pendant 50 ans, 60 ans. C'est comme ça qu'il a agi, c'est comme ça qu'il a travaillé pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. كنت معه بالليل مرة. تعرف هذا الطريق؟ J'étais parce que le Cheikh, il marchait comme la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Lorsqu'il marchait, il marchait avec des pas forts et rapides. Et puisque lui, il passait beaucoup du temps dans la lecture et dans l'enseignement. Alors, il m'a fait rentrer dans des rues. Il m'a dit, tu connais ce chemin? J'ai dit non. Alors, il a fait rentrer et puis après, il est sorti. Il a dit, tu l'as connu maintenant? J'ai dit oui. Et donc, là, tu as fait ce tariq, il a fait ce tariq, il a fait ce tariq. كيف تذهب منه وكيف ترجع منه لأنه قد تحتاج إلى ذلك يوما ما إذا أردت أن تزور صديق في هذا المكان تعرف وغير ذلك في أمور أخرى. alors صرت تعرفه الآن. نعم. إذن انظر إلى كيف هذه النية كيف كان. وإخواننا الذين يعني تربوا عنده أخذوا من تلك الأخلاق العظيمة. كثير منهم لما رأوا كتب القشيري والغزالي وغيرهم عرفوا لما كان شيخنا يتصرف بهذه الطريقة وهذه الطريقة لأنه إمام علم إمام عمل إمام تصوف
إمام عابد زاهد قديش بدنا نحكي أنه بالطعام ما كان يأكل حتى يشبع ولا مرة أكل حتى شبع. Il n'a jamais mangé jusqu'à être désaltéré. Toujours il mange et il arrête avant d'être rassasié. Et ça c'est parmi les comportements des vrais soufis. الأنبياء كذلك لا يأكلون إلا إذا جعوا وإذا أكلوا لم يشبعوا. Les prophètes ils mangent lorsqu'ils ont faim et s'ils mangent ils ne mangent pas jusqu'au plein. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب قلنا نحن بدنا alors bon dans ces livres là il y a beaucoup de choses mais moi je voulais vous montrer ce livre parce qu'il est en lien avec notre leçon. هذا الكتاب مع هذه الكتب الأخرى نحن لسنا مثل الوهابيين. الوهابيين إذا قلتم أكذب خلق الله في هذا الزمان صحيح ليس فيه مبالغة. Si vous dites الوهابية c'est parmi les êtres humains le plus qui ment, oui c'est vrai, c'est pas quelque chose exagéré. حتى ابن تيمية نفسه لما كان يناظر ويحاصر يكذب قل لا ما قصد هذا ما قصد هذا ويذكر شيئا بعيدا فصار منه الآفة التي فيه صارت على أتباعه. ما علينا. هذا رجل اسمه علي بن محمد بن سنان. Il s'appelle علي بن محمد بن سنان. Il a nommé le livre المجموع المفيد من عقيدة التوحيد. Il a nommé المجموع المفيد من عقيدة التوحيد. Le réunion du profitable de la croyance de التوحيد. On ouvre à la page 55. بيجي واحد بيقول لي بس ما تاخذنا المقطع قرانا اللي قبله قرانا اللي بعده الكتاب موجود بدك تقرا اللي قبله بدك تقرا اللي بعده صفحتين باربعه ما عندي مشكل باسكو موا جو فو جو في لير سو كو لوي لا دي سي كلكان دي وي تو ا لو ان بيتي باراغراف فوالا ايلي ا ديسبوزيسيون فو بوفي لو لير 3 باج افون اي 3 باج ابري اي نيا با دو بروبليم ا توت بيرسون كي فو. ماذا يقول صحيفه 55؟ يقول أيها المسلمون. هذا المدرس في المسجد النبوي. Ça c'est quelqu'un qui enseigne dans la mosquée du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Il dit أيها المسلمون لا ينفع إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحرب الشعواء على هذه الطرق عن طرق الصوفية فقضيتم عليها فأخرجتموها من بين جنوبكم ومن قلوبكم ومجالسكم ومجامعكم ومساجدكم وزواياكم حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود فإنها روح اليهود والمجوس تغلغلت في جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته. Alors cet homme-là qui se nomme مدرس في المسجد النبوي, il a dit vous les musulmans, votre islam ne sera rien si vous ne déclarez pas la guerre intense contre les confréries de tasawuf et que vous la l'enlever complètement de vos séances, de vos cœurs, de vos places, de vos mosquées, de vos jami', de vos zawiya, combattez-les avant les juifs parce qu'ils sont la lame et la racine des juifs et des mages qui sont rentrés dans le corps de l'islam. تعرفوا قديش يعني بده يحارب هذا؟ بتركيا يمكن في شي 40 50 مليون. Peut-être en Turquie il y a 30-40 millions soufis. Puis en Afrique, peut-être il y a 200-300 millions. Et de l'Inde à Pakistan, Indonésie, Malaisie, encore. Yani, on peut dire il y a peut-être la moitié du monde islamique. Il apprécie le tasawuf et ils adhèrent au tariqa al-rifa'iyya, au tariqa al-qadiriyya, au tariqa al-naqshbandiyya. والطريقة الجشتية والعلوانية وغير ذلك. إيه؟ Je viens de dire ما هي الطريقة؟ أول أمر العمل بالتوحيد، العمل بالشريعة، الإعراض عن الدنيا، الإقبال عن الآخرة، مراقبة النفس، الزهد في الدنيا. هذا هو التصوف. هذا بيقول حاربوا قبل أن تحاربوا اليهود والمجوس. Alors lui il dit que ce que j'ai dit c'est quoi le tasawuf, le fait d'être naqshbandi ou rifa'i ou qadiri ainsi de suite, c'est quelque chose que tu après que tu as mis en pratique ce que Allah t'a ordonné en ayant tawhid, la bonne croyance, en mettant en pratique les obligations, en délaissant le haram,
tu détournes ton corps de ce bas-monde, tu laisses le bas-monde derrière toi, tu pratiques l'ascétisme et tu prends soin de ton cœur pour avoir toujours le meilleur parmi les actes vis-à-vis de ce que le prophète nous a enseigné. Alors il faut combattre ces gens-là. Et j'ai dit, on aura peut-être 300, 400 millions. Il faut les combattre. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wa husna al-khitam. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Qabla an nakhtim bil-dua, naqra al-fatiha an ruh al-jad akhuna Yunus, zawj ukhtna Kozet, qui est décédé. Encore la mère de notre frère Saifuddin de Macédoine qui est venu chez nous, qui a aidé beaucoup à la mosquée au centre d'Yverdon. Sa mère est très malade sur le lit de la mort. On lit le Fatiha pour qu'elle se trouve en bon état et qu'elle meure sur l'islam. Et par la suite, on fait du'a. Alhamdulillah.